Suivez moi, vite, voici votre affaire. Qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père. Ah, mon Dieu. Au voleur, arrêtez-moi. Au meurtrier. Justice, juste ciel. Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est monsieur votre cher intendant qui a fait le coup. Valère? Oui. Et sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui. Je le crois sur ce que je le crois. Mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez, là. Le seigneur Harpagon me donnerait par ses procédés des tentations de le voler. Et je croirais, en le volant, faire une action méritoire. Dis-moi un peu, tu n'y as pas touché? Oh! Moi? Y toucher? Oh! Vous lui faites tort aussi bien qu'à moi! Et c'est d'une ardeur toute pure, respectueuse, que j'ai brûlée pour elle. Brûlée pour ma cassette. Ah, traître que tu es! Comment va notre affaire? Les choses pressent plus que jamais. Et depuis que je ne t'ai vu, j'ai découvert que mon père est mon rival. Votre père, amoureux? Encore n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose. Et comment? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 200 000 euros? Et oui. Lui se mêler d'aimer? J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Elle est trop honnête et trop sage pour cela. Ma cassette trop sage. Et pour toi, je te donne au seigneur Anselme. Au seigneur Anselme? Oui, un homme mûr, prudent, qui n'a pas plus de 50 ans et dont on vante les grands biens. Je ne veux point me marier, mon père. S'il vous plaît. Ce mariage, Valère! On cherchera des biais pour le rompre! Mais quelle invention trouver s'il se doit conclure dès ce soir? Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue. Et rien de criminel n'a profané la passion que m'ont inspiré ses beaux yeux. Les beaux yeux de ma cassette. Que dit la belle? Oh, qu'elle vous trouve admirable! Oh! C'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. Oh, quel animal! Vous êtes résolu, dites-vous? D'épouser Marianne. Qui? Vous? Ouais. Mon fils baise la main de sa prétendue belle-mère. Et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas fort. Y aura-t-il quelque mystère là-dessous? Ah, voilà mon père! Teste-toi. La sincérité.